excellent. Alors, mon top du match côté Sénégal, c'est Ismaïla Sarr. Alors, le flop côté Sénégal, sincèrement, il n'y en a pas. C'est une équipe très forte. Côté Cameroun, écoutez, je pense que malheureusement, Onana, sur le premier but, il est fautif. Il doit prendre le ballon avec les mains. Et le top côté Cameroun, pour moi, c'est Didier Castelletto. Parce que bon, le but a relancé le Cameroun et le Cameroun est pour égaliser. Bonsoir, je m'appelle Mohamedou Bamba. Je viens du Sénégal. Le top du match, c'est tous les deux équipes. Je félicite les Sénégalais et j'encourage les Camerounais. Du courage. Il n'y a pas de flop, hein. C'est l'Afrique qui gagne. Moi, c'est Derrica. Le top du match, c'est Ismaël Sarr. Sadio Mané, y compris toute l'équipe. Tous, on a gagné. On a frappé de soi-disant le continent. Pourtant, ils sont rien. Un vrai lion, c'est le lion de la triangle. Donc, le lion, le Turc, c'est le chaton. C'est le chaton. Moi, c'est Al Ghazali, le roi Salomon. Moi, mon meilleur joueur côté Sénégal, c'est Sadio Mané, qui est le meneur du jeu depuis longtemps. Et mon flop au côté du Cameroun, c'est le gardien Onana. Voilà, lui, on ne sait pas s'il a signé un pacte avec le génie de l'encaissement de but, on ne sait pas. Oui, moi, c'est M. Konaté Sami. Pour moi, le top de ce match, c'est le numéro 26 du Sénégal. Le flop pour moi, c'est Onana, parce qu'il est prêt pour la défaite du Cameroun. Son jet l'attend à Abidjan. Je m'appelle Momodo Alioba. Le meilleur joueur du match a été Ismaïla Sarr. Il a fait un très bon match, il a marqué un but, il a été le joueur déterminant. Moi, je ne dirais pas qu'il y a un flop parce qu'ils ont été joueurs, ils ont été dans le match, ils ont roué le maillot avec toute cette chaleur. Mais moi, je ne dirais pas qu'il y a un flop. Ils sont méritants.